je gourmande, c'est ton seigneur qui te le demande. Oh ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi, confie-toi. Oh, mais per que confie-toi? Mais non, brute imbécile. Pas confie-toi, confie-toi à ton seigneur. Et avec armée, avec beaucoup de corps, avec ce homme, non, ce garçon est impossible, impossible. Vous criez pas, pardon, c'est pas de ma faute, comment je croyais qu'il y avait, je sais pas quoi, là. Oh, quel homme, je croyais que c'était confidoire, parce qu'il y avait bouche gourmande, vous comprenez, à cause de la bouche gourmande, voilà. Allez. Il faut pas oublier que c'est la première fois que je chante le rôle, pourtant, il faut m'excuser, pourtant. Ma musique, la musique, je reprends alors. Si. Oh ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi à ton seigneur. Oh ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi. À ton Je le sais par cœur, oui. Et puis il a le feu sacré. Oh oui, alors j'ai le feu sacré, oui. Il faut le dire également, il ne manque pas l'oreille. L'âne aussi ne manque pas d'oreille. C'est pas ça qui l'empêche de braire. Oh. De braire? De braire? Oh, c'est dur. Je vous préviens tous les deux que si Honora profite de la grande scène d'amour pour m'embrasser sur la bouche, je hurle. Oh, moi, abuser d'une pure jeune fille? Tu entends? Honora est un honnête garçon qui sait se tenir. Et je suis sûre que jamais il n'a songé à t'embrasser. Oh là là! Vous avez songé à embrasser Maria? Oui, non, enfin peut-être, des fois on ne sait jamais. Tu as songé à embrasser ma fille? Tu as osé lever les yeux sur Maria Cascaroni? Sois toujours aussi prudent. Et ne t'occupe pas de ma sœur, compris? Oui. Sinon, je te mettrai les points sur les îles. Ah, il vaut mieux. Et celui-là sur la gueule. Compris. Mais et bien maintenant que tout est arrangé à la satisfaction générale, vous, mon garçon, enfermez-vous dans votre roulotte et repassez votre rôle. Ah, allez, grouillez. Faites briller les armures, que ce soit propre. Plus de gire, tu connais les corps. Oui. L'homme pour qui le passé n'a plus de secret, l'homme pour qui l'avenir n'est plus impénétrable. À vous qui êtes faible, Cagliostro donnera la volonté. À vous qui souffrez, Cagliostro donnera l'oubli. Cagliostro, l'homme immortel. Elsa, tu vois, là-bas est là. Le haut-parleur, dehors. Pour la parade, c'est très pratique. Il gueule fort et il ne s'enrhume pas. Il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Honora. Ah, ton Honora. Je ne vous dérange pas, non? Oh, mademoiselle Elsa, ça va comme vous voulez, oui. Ça va. Bon. Oh, il m'arrive un coup d'œil formidable. C'est formidable ce qui m'arrive. Hein. Paolo a la gueule enflée. Alors c'est moi qui reprends le rôle du chevalier.
François Ier ou les amants de la belle ferronnière, drame lyrique en quatre avec les 12 tableaux de Raffaello Cascarone. C'est en effet une très belle chance pour toi. Assieds-toi. Ça fait 4 ans que j'attends. 4 ans que je boulonne comme un nègre à des besognes mercenaires. Que je me fais engueuler par toute la famille Cascaroni. Dans l'espoir que peut-être un jour, je doublerai Paolo dans le rôle du chevalier. Tous les matins, depuis 4 ans, quand je m'éveille, dès que j'ouvre l'œil, je le jette sur Paolo. Dans l'espoir que pendant la nuit, il aura attrapé la grippe, l'influenza ou l'appendicite. Mais le veau a une santé de cheval, vous m'entendez? De cheval. Il m'a fallu 4 ans. 4 ans pour le voir enfin avec une gueule aérodynamique. Et maintenant que ça y est, j'ai peur. Pourtant, depuis 4 ans que vous l'entendez chanter, vous devriez savoir le rôle par cœur. Oh, évidemment, je sais le rôle. Je sais même toute la partition entière, je pourrais la chanter à rebrousse-poil. Bon, voilà. Voilà. J'ai le trac. Et le trac. C'est le trac. Alors, je suis venu vous trouver, monsieur Cagliostro. Tu as bien fait. Je vais te donner ce qu'il te manque. La confiance en toi. La volonté. Mieux encore, l'unique moyen de triompher. Va dans ta roulotte et prépare ta valise. Ne discute pas. Tu as le costume de ton rôle. Eh bien, va. Emballe tes affaires. Je viendrai te rejoindre dans un quart d'heure. Va. 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 Allez, allez, Honorin. Mon oncle est bien capable de vous donner du talent. Il fait des miracles. Ah Honorin. Oui. Honorin. Oui, oui. Tu es prêt? Je suis prêt, oui. Parfait. Assieds-toi. Qu'est-ce que vous allez me faire, hein? Voyager. Où? Dans le passé. C'est pas un peu loin, ça? Je peux pas partir en ce moment, parce que il faut que je reprenne le rôle du chevalier. Du chevalier dans François Ier ou la belle ferronnière. C'est justement ce que je t'envoie faire. Assieds-toi. Drame en quatre actes, le tableau, Raffaello. Carone. Ce rôle du chevalier, je ne t'envoie pas le jouer, mais le vivre. Ah. Où? Amboise, chez François Ier. Chez François? C'est pas possible. Je le connais pas. Tu vas le connaître. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que vous me faites, grand Dieu? Monsieur, la crise est forte. Ne t'effraie pas. Ne te contracte pas. Laisse-toi faire. Tes yeux qui se ferment déjà sur le présent vont bientôt s'ouvrir sur le passé. Lorsque je te rappellerai, tu reviendras dans ce siècle-ci, l'esprit émerveillé par les splendeurs de la Renaissance. Et tu montreras aux pauvres hommes d'aujourd'hui ce qu'était un chevalier au temps de Bayard. Oh là là, que c'est... Cascarone. Ah oui,
passé, vous avez pris un bain parce que la veille j'ai un de bain, moi. Je m'appelle Cartalet. Pour vous servir, noble seigneur étranger. Noble seigneur étranger. Je fais un cauchemar, c'est pas possible. Mais où je suis ici? Vous êtes Amboise. 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 Mais à quelle époque? Quoi qu'elle ne sort. Mais à l'époque de la Renaissance. Vous n'avez pas vu le mobilier, là? Vous n'avez pas vu le style? Le style. Il y a des belles mômes. Hein? À Amboise. C'est le style. Mais j'y suis. Il y a quelque chose qui m'a endormi. Il m'a expédié chez François Ier. Pan. Sous la Renaissance, boum boum. Cascarone. 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 Mais c'est un appel. De quel français parle-t-il? Ça les amuse, hein? Oh, c'est fantastique ce qui m'arrive. Je viens de faire un saut de 400 ans en arrière. Et hop! Assez. Dites donc, tous ces gens-là dehors, là, cette foule qui hurle, c'est pour quoi faire? Mais c'est pour fêter le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui vient signer avec notre bon sire François un traité d'entente cordiale. L'entente cordiale, déjà? Et c'est pas trop tôt, vous savez. Et je veux que l'arc-en-ciel me serve de cravate si après ça nous avons encore des guerres. D'après ce qu'il raconte. Mais dites, vous n'êtes pas de Marseille? Vous êtes physionomiste, vous savez? J'y suis. J'y suis né en 1478, place de la Jeune Vache. Oh, et moi je suis né en 1903 au quai du Vieux-Port. En 1903? 1903? Oh, plaisanteur! 1903? Ça m'a payé alors! Des collègues? Oui! Voilà! Où je suis? Oui! Donne ma Frédine, mais quel honneur! Ça va, Tarpalin. Je suis entré par la porte de la rue Autruy, rapport au cortège qui bouchait la place. Asseyez-vous. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que cette hurluberlu? C'est un collègue, c'est un pays à moi, et un original, hein. Il arriverait d'Amérique que ça m'étonnerait pas. Tarpalin, voilà l'homme qu'il me faut. Lui seul peut nous tirer d'embarras. Pourquoi? Il y a des punaises dans le bois du lit. Nous sommes en pleine mélasse. Je puis vous le confier, puisque vous êtes ami de ma maîtresse et de son illustre amant. Il est rentré cette nuit de Paris à l'improviste. Non. Oui. Mais qui dit-il? Mais le mari. Il est arrivé à la maison vers les 2 heures du matin, l'idiot. Juste à temps pour voir l'autre sortir. Eh bien. Alors vous pensez si ça a fait du bruit? Jaloux comme il est. Heureusement qu'elle retournerait trois comme lui aussi facilement qu'une crêpe à la chandeleur. Elle lui a raconté que l'homme qu'il avait vu sortir, c'était son frère, à elle, qui voyageait depuis 15 ans. Drôle. Ce qui est moins drôle, c'est qu'elle n'a pas de frère, et qu'il faut que je lui en trouve un. Je suis venu dans cette auberge, parce que c'est généralement ici que se trouvent les étrangers. Celui-ci nous est envoyé par Sainte Alfredine, ma patronne. Allez quérir ce nique douille, maître Carpalin. Eh bien, à vos ordres, dame Alfredine. Allez, tout le monde au travail, là, hein. Vous regardez ce seigneur comme une bête curieuse, là. Allez, pardon. Monsieur. Oui. Une dame désirerait vous entretenir. M'entretenir? M'entretenir. Quelques instants, hein. Ah, je ne sais pas beaucoup. Où est-elle? Derrière vous. Pas mal, hein. Oui, elle est plus très jeune, hein. Alors je peux lui consacrer un quart d'heure, c'est tout. C'est la nourrice d'une très grande dame. Ah oui, quel âge a-t-elle? La nourrice? Non, la grande dame. Oh, à peine 25 ans. Et elle tête encore? Ah non, elle ne tête plus. Mais elle a tété. Et alors, elle n'est pas nourrice, alors? La grande dame? Mais non, la nourrice. Oh non, elle ne l'est plus. Mais elle l'a tété. Elle l'a zétété. Je veux dire, elle le fute. Ça va, pardon. Mes hommages, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes trop aimable.
Oh, vous aussi. Ils sont charmés. Qu'est-ce que vous allez prendre? Et pour moi, ce sera un vin blanc Vichy. Vichy? Vichy? Oui, Vichy. Et puis pour moi, ce sera un pouce d'eau, un doigt de jus d'orange et une bonne main d'olive de prune. Eh ben. J'ai horreur des boissons fortes. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Par exemple... Oh, c'est stupéfiant. Mais quoi? Cette ressemblance. C'est formidable ce que vous ressemblez à la mère Cascarone. Non. Vous n'êtes jamais allé à la foire au trône? Moi? Ou à la fête à Neuneu? À la fête à Neuneu? Mais jamais, jamais. Oui, c'est vrai que si je commence à m'épater, je n'ai pas encore fini. Enfin, madame, de quoi s'agit-il? D'une dame. D'une dame. Celle qui a tété. Comment celle qui a tété? Oui, enfin, celle qui a sucé votre lit, dont vous êtes la nourrice. Ah! Carpalin vous a dit? Il m'a dit. Oui, eh bien, c'est d'elle qu'il s'agit. Vous êtes jeune? Oui. Vous êtes beau? Vous êtes noble? Ah. Vous devez aimer les dames? Mais évidemment, oui. Quelques-unes. Vous avez le sang chaud, le cœur vaillant, les bras solides. Oh, terrible. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes le chevalier imberbe et sans peur qui se rue au secours d'une dame en détresse. Naturellement que je me rue. Oh, oh. Mais la route sur laquelle vous vous engagez est semée d'embûches, creusée de dangers, saupoudrée de périls. Ah? Mais que vous importe. Oh, mais forcément. Ah, non, pardon. Vous triomphez de tous les obstacles. Alors comme ça, c'est tentant. Mais on bavarde, donc caquette et le temps passe. Venez, je vous mettrai au courant durant que nous ferons la route. Maître Carpalin. Pardon. Combien vous dois-je? Un seul, trois deniers. Mais c'est un véritable coup d'arquebuse. D'arquebuse? C'est l'établissement le plus cher d'Amboise. Oh. Oh. Vous mettrez ça sur la note de madame. On vous enverra un chèque. Au revoir. Bonne nuit. Carpalin. Eh bien. Vous avez bien compris, hein? J'ai bien compris. Je suis le frère de la dame et je suis resté absent de France pendant 15 ans. Vous arrivez d'Amérique et vous allez étouffer cette histoire calomnieuse dans l'œuf. Dans l'œuf. Oui. Dans l'œuf. L'œuf de Christophe Colomb. Quel homme là. Allez, allez, venez, dépêchez-vous. Allez, rentrez. Dans l'œuf. Elle. Vous la connaissez? Si je la connais, c'est Elsa Cagliostro. Voilà 2 ans que je l'aime en silence. Parlez-moi fort. Et lui, le grand maigre, c'est Luigi Cascarone. Vous êtes complètement folle. Lui, c'est l'avocat Ferron. Et elle, c'est sa femme, Nérolande de Meldeuse. Son père était Pierre Antonin Baptiste Poilron, seigneur des Meldeuses en Ile-de-France. Mais cette ressemblance est... fantasmagorique. Eh ben, fichez-moi la paix avec vos ressemblances, baissez-vous et écoutez. Moi, Hilaire Ferron, avocat au Parlement, je suis la risée de toute la France. Lorsque je passe sous une voûte, je me baisse. Et lorsque je circule dans la rue, on me montre du doigt. On chuchote. C'est le mari de la belle Ferronnière. Eh bien, c'est très gentil, ça. Mais on ajoute la maîtresse du roi de France. C'est moins gentil.
Mais c'est plus flatteur. De rêve, de raillerie. Ne poussez pas à bout, madame. Oh, toi, brute. Ne me secoue pas comme ça. Mais avouez. Avouez donc, madame. Cet homme qui s'est tué est sorti de ma maison en se cachant la face tel un voleur. C'était le roi, hein? Hein, c'était lui? Ferron, tu es un imbécile. Si le roi était mon amant, tu serais dans une oubliette du château d'Amboise avec 50 toises de terre et de pierre sur le crâne. Ouah! On n'enterre pas un avocat au Parlement, même cornard, comme un chien mort de la gale. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Dieu merci. Comment qui s'engueule, hein? Mais si ce n'était le roi, qui était cet homme? Mais je vous l'ai déjà dit, mon ami. C'était mon frère. Ah, encore ton frère? Depuis quand as-tu un frère? Mais depuis que maman l'a mise au monde, mon ami. Oh, ce coup-là, elle l'a bien eu. Mais voilà un frère qui, après 15 ans d'absence, revient de façon tout à fait opportune. Il choisit le jour où je suis absent de la ville et attend l'ami pour se glisser hors de la maison de sa sœur. Comme tout ça est vraisemblable. Vraisemblable ou non, c'est la vérité, mon doux ami. Mais quand aurais-je la joie de le voir? Ce tendre frère retrouvé. J'ai envoyé Alfredine le quérir en son hôtel. Il va venir, du moins je l'espère. N'est-ce pas, il devait repartir très tôt ce matin. Il n'était ici que de passage. Ah! Voilà le poteau rose découvert. Il y avait un frère cette nuit dans ma maison. Mais hélas, ce matin on ne le peut plus montrer. Car il s'en est allé de très bonne heure hors la ville et ne reviendra plus. Oh, traîtresse! Menteuse! Ce frère, tu ne me le montreras jamais! Vous allez le voir tout de suite. Le voilà. Mon frère, mon petit frère. Comment vous appelez-vous? Honorin. Mon cher, cher Honorin. Ah oui. Je m'appelle Rolande. Tant mieux. Rolande. Ah, ma soeur, ma chère soeur, ma chère Rolande. Embrassez-moi. Eh? Embrassez-moi. Le chaud. Chaud, chaud. Ça suffit. C'est dommage. Hein? Mon chéri, je vous présente Honorin, mon frère. Alors ça va un peu pour vous, oui? Honorin, Ferron, mon mari. Pardon. Bonjour, M. Ferron. Bon, pas chaud dans ce coin-là, hein? Tu sais qu'il est jaloux abominablement. Oh. En voyant sortir de chez moi cette nuit un homme, il s'est imaginé que c'était un galant. Oh. Oh, c'est drôle. Il s'en était pas un. Et non, voyons. Et qui c'était alors? Mais toi, mon chéri, toi. C'était moi. Oh, mais oui, mais c'était moi. Oui. Oh. Et il croyait que c'était un galant. Ouh, oh, le vilain. Assez de pitrerie, monsieur! J'ai cru en effet que l'homme qui sortait de ma maison, en cachant sous les plis de son manteau sa face de traître, était un larron d'honneur. Je le crois encore. Eh ben. Alors vous affirmez que c'était vous qui sortiez ainsi de chez moi au petit jour. Et vous prétendez être le frère de madame. Mais bien sûr que je suis son frère, voyons. Bien sûr qu'il est mon frère. Bien sûr qu'il est son frère. Qui donc au monde en pourrait témoigner de bonne foi? Moi. Et moi. Je n'accepterai votre témoignage que devant un seul tribunal. Celui de Dieu. Oh, si vous voulez, eh bien, allons-y. Comment, vous acceptez le jugement de Dieu? Eh bien sûr, qu'est-ce que je risque? Vous risquez votre vie, monsieur, si vous avez menti. On me dit ça, et puis vous avez, moi. Rendez-vous au Champ-Clos, à 2 heures. Merci, merci, noble étranger. Brave jeune homme, merci, merci. Allons, mesdames, c'était la moindre des choses, quoi. Nourrice, tu as mis la main sur le dernier des chevaliers errants. Oh, vous êtes bien gentille. Il y avait un second bagarre en France, et j'ai eu la veine de tomber dessus. Un second bagarre? Bon, là, je crois que vous exagérez. Hein. Oh, oh, oh. Nourrice, va préparer pour ce héros la chambre voisine. C'est là où logera pendant son trop court séjour parmi nous notre bon frère, Honorin des Meldeuses. Des Meldeuses? Pourquoi? Étranger, tu es le plus vaillant, le plus chevaleresque, le plus noble des hommes. Vous êtes vraiment trop indulgente parce que vous ne savez pas ce que... Si avant de mourir, tu as au cœur un désir que je puisse combler, dis-le-moi. Et par ma sainte patronne, si je ne le satisfais pas, je veux faire pénitence durant 9 fois 9 jours. C'est beaucoup trop. Oh, belle ferronnière, belle ferronnière. Si j'osais vous susurrer ce que je désire,
Je crains fort que vous ne me le refusiez. Je ne saurais rien refuser à l'homme qui, pour me sauver, a accepté le jugement de Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Oh, ferronnière. Oh, ce baiser. Quel tempérament. Quel feu. Quel vénard se prend sur le frontier. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas, c'est le jugement de Dieu. Ils ont tous l'air de dire que j'ai pris une grave responsabilité en l'acceptant. Est-ce que par hasard, j'aurais agi trop à la légère, comme dit mon ami Alberti le coiffeur? Mon Larousse. Oui, mon Larousse. Où il est? Alors, oh, je savais bien que je l'avais dans ces costumes, non? Ça y est. Ah, pardon, excusez-moi. Voyons. Jugement. Jugeable jugement. Jugement de Dieu, nous y voilà. Nous y voilà. Poussez-vous. On appelait autrefois jugement de Dieu des épreuves auxquelles on avait recours pour s'assurer de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Des épreuves. Oh, que je n'aime pas ça. Il y avait l'épreuve de l'eau, l'épreuve du fer rouge, l'épreuve de la croix. L'eau, le fer rouge, la croix. Oh, que je n'aime pas ça. Il y avait enfin le duel judiciaire. On y recourait surtout pour attaquer les serments. Oh, que je n'aime pas ça. Lorsque les deux gentilshommes avaient accepté le jugement de Dieu, il s'ensuivait un duel sans merci où le vaincu, s'il était déjà mort, subissait la peine des capitaines. C'est la sauvagerie, ça. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ce siècle barbare, moi? Oh, mais je dis, moi, j'irai pas, je le sens. Continuons. Le combat avait lieu publiquement en Chanteclos et devant des juges de camp. Les duels judiciaires les plus célèbres sont ceux de Jean le Gris contre Jacques Carrouge, de Guy de Chabot, seigneur de Jarnac, contre la Châtaigneraie, et surtout celui de Jean Ferron, le mari de la belle ferronnière, contre Honorin et des Maldeuses. Honorin des Maldeuses? Des Maldeuses? Mais c'est moi! Mon duel est dans le Larousse, avec le coup de Jarnac. Oh, et cet idiot qui n'est même pas qui est le vainqueur. Oh. Je parierai par un liard sur la chance de ce pauvre bourg. Il ne tiendra même pas une reprise. Mais Ferron aura étripé avant qu'il ait pu dire ouf. Dites-moi, vous êtes venu ici pour me réconforter ou pour me ficher la pétouille? Bien non, il y a une courante d'air, il y a de quoi accraper la crève. Oh, chevalier, mon héros. Oui. Comment ça va ce matin? Pas trop ému? Non, pas trop, non. Ému? Parce que je vais me battre avec votre cornard. Oh, méfiez-vous, mon cornard est très fort à l'épée. Il use d'une botte secrète. Moi aussi, j'use d'une botte secrète. Et avec, je lui botterai le derrière. Bravo, le moral est excellent. Oh, excellent. À propos, il y a un prêtre dehors, je peux le faire entrer? Un prêtre? Pourquoi faire? Ben, c'est l'usage. Lorsqu'on se présente devant le Créateur, il faut faire une petite toilette. Intérieure. Ah oui. C'est une simple précaution. Non, mais moi j'en ai pris une de précaution, tenez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un pétard pour le cornard. Oh, c'est bizarre. À quoi est-ce bon? À faire des ronds dans le ferron. Et avant qu'il m'ait embroché, pom pom, résilié. Bonjour, Lanzarek. Bonjour, mon cher juge de camp. Bon combat aujourd'hui. Oh oui. Dites-moi, Lautrec, vous savez qui c'est, cette Honorat des Meldeuses? Ah non, ma chère duchesse. Et vous, la palisse? Oh non, madame de Montmorency. Tout ce que je puis dire, c'est que monsieur des Meldeuses, ayant quitté la France depuis 15 ans, il est à l'étranger. Ah. Bravo, Nathalie. Voilà bien votre façon charmante de dire la vérité. Madame de Montmorency, il n'y a qu'une façon de dire la vérité.
et de ne pas mentir. Si nous laissons parler la Thalys, nous en avons pour des heures. Dites-moi, qu'est-ce que vous dites de ce Féron qui s'aperçoit subitement de son infortune? Mais vous voulez dire de sa fortune? Le roi couvre sa femme de bijoux. C'est plus une femme, c'est une chasse. Une chasse mal gardée. Je vous sais gré de me l'avoir montré. Mais dites-moi, mon beau cousin, où apprîtes-vous le français? Vous le parlez sans accent. Ah, c'est que papa a tenu à me donner une nounou française. Very good idea. Viva! Thank you.
connaît lequel se serait fait. Oui, on a trompé. Allez, 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 que Dieu ferait bonne et prompte justice. Nous aimerions connaître le seigneur des Meldeuses. Qu'il vienne en notre château. Oui, oui, qu'il vienne. C'est un bon lutteur, il connaît le catch. Mon frère est aux ordres de son roi, sire. Panadan, ça c'est le baptême du Christ. Vous me plaisez beaucoup, madame de Montmorency. Vous m'envoyez ravi, sire. Je sens mon cœur qui va si vite, si vite. Et c'est pour toi, mon tendre amour. Moi, je n'ai plus de cœur. Je vous l'ai donné, sire. C'est une coutume du pays d'où je viens. Oh, dites, dites. Eh bien voilà, quand l'orchestre s'arrête, si les danseurs ont envie de recommencer, ils applaudissent et l'orchestre reprend. Oh, que c'est original. C'est original, n'est-ce pas? Sire, sire, écoutez, monsieur de Meldeuse m'a produit une coutume charmante que votre majesté devrait imposer à la cour. Vraiment? Pardon, mon cousin. Et quelle est cette coutume, mon cher chevalier? Voilà, sire, pardon, majesté. C'est un détail très drôle. Enfin, très drôle, il n'y a pas de quoi rire aux larmes, mais enfin, c'est, vous savez, c'est amusant. Alors, dites, dites. Voilà, au bal, quand la musique s'arrête, si les danseurs ont envie de recommencer, ils frappent comme ça dans leurs mains, et la musique recommence. Oh. Comme c'est gentil. On frappe dans ses mains et tout recommence. La dame que vous aimez vous a retiré ses lèvres, on frappe dans ses mains, et le baiser recommence. Splendide! Le peuple a payé l'impôt, le roi frappe dans ses mains, et le peuple recommence. Par Dieu, chevalier, ta coutume me plaît. Je l'adopte. Tiens, prends ceci en gage d'amitié. Oh, qu'elle est belle. Merci, sire, sire, merci. Oh, parfait, je comprends. Tiens. Sire, merci. Chevalier, ta manière de parler est étrange. Ta façon de t'habiller singulière.
Tu ignores les usages de la cour, mais par Saint-Denis, tu es un joyeux compagnon. Merci, François Ier. Pardon, si. Bien, bien. Tu ne trouves pas, Nathalie, que ce démêleuse est commun au diable? S'il était moins commun, il serait plus distingué. Ah, évidemment. Voici, monsieur. Par contre, il nous apprend d'excellentes coutumes. S'il ne nous les avait apprises, nous ne les connaîtrions point. Ah, ah, brave la palisse. Dis-moi, chevalier, dans cet étrange pays d'où tu viens, danse-t-on? Si on y danse, si on y danse. Écoutez, je ne voudrais pas vous faire de la peine parce que vous avez été très gentil avec moi, Majesté. Mais enfin, est-ce que vous imaginez vraiment que vos promenades la main dans la main, vos arrêts, vos révérences, vous croyez que tout ça c'est de la danse? Mais... Oh, mais non, Majesté, non. Non, vous égarez dans l'égarement, vous errez dans l'erreur et vous cheminez dans le faux chemin. Oh, oh. Mais alors, selon toi, la danse, qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Pardon, merci, mon cher. Mais c'est quelque chose de gentil. C'est une occasion de faire connaissance, sentir si on se plaît. Enfin c'est quelque chose de plus intime. Vous comprenez? Oui, voilà. Tenez-vous, par exemple, lorsque vous dansez, vous avez l'air de dire à votre partenaire, allez-vous-en. Allez-vous-en en arrière, ne me touchez pas. Non. Non, écoutez, Majesté, la danse n'est pas un éloignement, c'est un contact. Ah, un contact. Un contact. Un contact. Un contact, oui. Mais écoutez, je... Vous permettez, je vais vous montrer. Je vous en... Regardez-moi. Pardon. Voilà d'abord. Eh bien, père, madame, avancez-vous. Là. La main, ici. Les yeux dans les yeux. La joue contre la joue. C'est-à-dire joue contre joue. Et vous partez. Comme moi, quoi. Allez-y, serrez, n'ayez pas peur, allons. Allez, du contact, joue contre joue. Là. Allons, messieurs, c'est mou, ça. Ah, ton frère est un sorcier, mon adoré. C'est vrai qu'il en connaît des choses. Et vous, mesdames, ne soyez pas timides, voyons. Joue contre joue, regardez-moi. Là. Sire, vous m'étouffez. Ah, madame, que c'est bon l'entente cordiale. Et vous, monsieur Lotton, pardon, Harry 8, hein? C'est pas de la lutte, ça, hein? Serrez, mais n'écrasez pas. Alors, l'orchestre, là. Jouez ça plus vite et plus gaiement. Là, c'est très bien. Maintenant, suivez-moi bien. Allez, en voiture. À la vraie de vraie. Dites ça, vous. Ah, vous en faites de peine, vous. Avoir appris cette façon de danser au roi. Oh, ça va être amusant maintenant, les balles à la cour. Encore, si on pouvait choisir son partenaire. Oh, chevalier, tu es un grand homme. Et puis du reste, tu n'es plus chevalier. Je te fais baron. Tiens, je te fais comte. Majesté, votre sire est trop bonne. Vous permettez, mon cousin? Faites-moi. Je dois lui dire. Vous êtes marble. Non, Elus, oui. Je vous fais baron. Je le suis. Alors, comte, c'est déjà fait. Dieu! Duke, si vous voulez. Duke ou prince, si vous préférez. Oui, Duke ou prince, il n'y a aucun inconvénient, oui. Vous venez avec moi à London et vous apprenez la danse à ma femme. Laquelle? Et toutes. Non, mais laquelle de femme? Comment laquelle de femme? The Queen, la reine. The Queen, non, vous ne me comprenez pas. Comment s'appelle-t-elle? Mais Catherine, voyons. Catherine? Mais laquelle? Il y en a trois, les Catherine. Trois Catherine sur six femmes. Il y a Catherine d'Aragon, Catherine Parr, Catherine au voir. Vous comprenez, c'est pas moi qu'il faut faire le petit cachotier, voyons. Non, c'est inutile, c'est moi. Je la connais, la vie privée d'Henri VIII. Pensez un peu à votre film. J'ai vu au moins 10 fois au cinéma. Et Henri, où êtes-vous? Mais où est-il? Ah, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Six femmes. Trois Catherine.
Ah oui, j'ai peut-être eu tort de vous dire ça. Forcément, à prendre brusquement à quelqu'un qui se mariera 6 fois dans la vie, c'est un coup dur, ou plutôt c'est 6 coups durs. 6 femmes, 3 Catherine. Mais parle, sorcier, parle! Qui sera la 30e femme d'Henri VIII? Je comprends, vous êtes à peine au début de la série. La, hein? Ben, la seconde femme d'Henri VIII... si j'avais mon Larousse, là, mon dictionnaire, je sais pas, j'ai dû le laisser dans un coin du château. Là. C'est, ah, ça y est. C'est un de Boleyn. Anne Boleyn? Madame Laroute? Oui, peut-être, oui. Mademoiselle d'honneur de ma femme? Esplendide! Cousin, cet homme est un grand prophète. Il prédit l'avenir. Tiens, je te donne le jarretière. Se ménageant entier autour du cou, mais il est cinglé, lui. C'est... Oh non. Longue vie au comte Demeldeuse. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Elsa. Elsa? Pourquoi Elsa? Parce qu'il y a 2 ans que je vous aime sous ce nom. Quelle constance! Ne me vous vois plus. Que je vous vois plus? Mais non, ne me vous vois plus. Dis-moi, tu? Bien sûr que je te dis tu. Oh, mon, tu es belle. Tu es ensorceleuse. Tu es voluptueuse. Rolande. Là, jeune homme, ne nous emballons pas. Mais tu m'as dit dis-moi tu, pourtant. Mais oui, je t'ai dit dis-moi tu parce que tu es mon frère. Est-ce que tu as déjà vu un frère dire tu à sa sœur d'une façon pareille? Allons. À demain, monseigneur, comte de Meldeuse. Alors tu ne tiens pas parole, hein? Tu m'as dit ce matin que tu n'avais rien à refuser à l'homme qui, pour te sauver, acceptait le jugement de Dieu. L'as-tu dit ou l'as-tu pas dit? C'est vrai, je l'ai dit. L'ai-je dit accepté ou l'ai-je dit pas accepté le jugement de Dieu? Tu l'as accepté. Alors? Non, évidemment, tu n'as pas tort. Et non? Oh, mais seulement, il faut que tu comprennes que ce matin, pour moi, tu étais un homme qui allait mourir. Eh oui. Est-ce que tu as déjà vu refuser quelque chose à un moribond, toi? Et non. Alors? Oh, mais ce soir, tu n'es plus un moribond. Oh non. Alors, je n'ai plus d'excuses. Je ne peux pas me jeter comme ça dans les bras d'un monsieur que je ne connais pas. Mais si, oui. Et qui est mon frère par-dessus le marché. Oui. Tu comprends? Non. Oh, il faut quand même que tu te rendes compte des réalités. J'ai un mari et un amant. Oui, si. Je suis une honnête femme, moi, mon chéri. Je m'en aperçois, oui. Oh. Bien sûr, tu ne me déplais pas. Tu es un verbe. Oui. Je ne dis pas qu'un jour... Oh, oh mais si tu es bien gentil et bien patient. Promis? Oh, oui. Bon. Alors, je vais te donner une petite avance. Et maintenant, au dodo? J'y vais. Ah, j'oubliais. Si tu entends quelqu'un marcher cette nuit, ne sois pas surpris. C'est le fantôme. Il a une jambe de bois et frappe toujours avant d'entrer. Bye bye, darling. On va dormir. Je suis propre. Quelle époque, mes aïeux. Quelle époque. Quelle journée. Fantôme. La porte qui s'ouvre. Thank you.
C'est vous le nouveau? Oh, n'ayez donc pas peur. Mais c'est malheureux depuis que je suis fantôme. On m'évite comme si j'avais la peste. N'approchez pas, allez-vous-en, fantôme. Allez-vous-en. M'en aller? Mais je ne demande que ça. Vous croyez que c'est amusant la vie que je mène depuis 250 ans? Hein? Déambuler toutes les nuits dans cette vieille masure humide, à mon âge, avec mes rhumatismes et ma jambe de bois? Hein? Au lieu de me regarder avec des yeux ronds et une bouche en cul de poule, vous feriez mieux de m'aider à sortir de cette pénible situation. Je vais vous expliquer. Voilà, j'ai tué ma femme. Oui, je sais, j'ai eu tort. Surtout que nous étions mariés depuis 49 ans et que l'ayant supporté pendant un demi-siècle, je n'aurais pas dû perdre patience. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ça a été plus fort que moi. À un de mes retours de croisade, la troisième, ne voulait-il pas qu'elle me sert à dîner de la chicorée cuite que je hais? Ah! Et ça, pour la quatrième fois dans la même semaine, je l'ai tué. Vous avez bien fait. Je l'ai étranglé de ses mains. Oh. Dans ce lit. Ah. À cette même place où vous êtes. Au nom d'un chien. Et je l'ai enterré dans la cave. Dans la cave. Oh là là. Aussi, ai-je bien été puni. Mon terrible travail terminé, comme je cherchais à m'enfuir de cette cave glaciale, je fus rattrapé par une tisie galopante qui m'emporta en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Mort comme un rat. Mais ce n'est pas tout. La justice divine me poursuivant avec un acharnement féroce, je fus condamné à errer toutes les nuits sur les lieux de mon forfait jusqu'à ce que j'aie de mes mains donné au reste de mon épouse une sépulture chrétienne. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Et voilà 250 ans que j'essaie. Mais j'ai oublié dans quel coin de la cave je l'ai enterré. Eh bien, cherchez, fouillez, je sais pas. Mais je ne peux pas! Il est fait noir, je n'y vois pas. Cette cave est si profonde, l'atmosphère si impure, que les chandelles n'y peuvent brûler. Alors, vous dites que si vous y voyez clair, vous pourriez reconnaître l'endroit où est cachée votre femme. J'en suis certain. Bon, poussez-vous un peu, fantôme. Poussez-vous un peu. Ça, c'est une valdingue. Ah ah, oui. Avec ça, vous serez paré. Vous appuyez sur le bouton et la lumière jaillit. Tout que je t'embrasse. Non, non, ça va, ça va, ça va. Retournez près de votre femme et laissez-moi tomber. J'y vais. Merci. Merci. Oh, merci. Fantôme. Je m'appelle Jules. Ah, alors Jules, n'oubliez pas de me rapporter la lampe. Comptez sur moi. Oh, quelle époque alors. Je serai toujours à côté de vous. Je vous remets votre instrument magique. Merci. Au revoir, mon vieux. Bien d'accord. Oh, non. On ne va pas se quitter comme ça. Oui, non, il faut que je vous embrasse. Ah, non. Jules. Comme je dis sur moi. Rappelez-vous que vous avez un ami. Et en cas de besoin, songez à Jules. Oh. Ce qui sent le moisi, cet animal.
Elles ont la simplicité et la joliesse des fleurs. Les Anglaises aussi sont charmantes. La reine Catherine, par exemple. La reine? Oh, mais elle n'en est plus. Oh, fini, répudié. Répudié? Ah oui, divorcé, grâce à votre frère. Il est extraordinaire, votre frère. Ah oui, il est extraordinaire. Depuis les jours qu'il est là, il a bouleversé les choses, les gens. Nous vivons comme dans un rêve. Bonjour, petite sœur. Bonjour, frérot. Bonne ménage, majesté. Ningyo. Oui, il m'a fait du Henri, oui. Moi, je voulais pas, mais il a tellement insisté que pour lui faire plaisir, j'ai accepté. Et vous, qui êtes-vous, jeune homme? Moi aussi, je suis duc. Oh. Duc de Montmorency. Ah, c'est vous, Montmorency? Vous êtes quelqu'un, oui, oui. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? L'avenir. L'avenir? Ah. Ah, vous savez, je suis très bref. Je ne donne pas de détails. Je suis brutal. Je vous donne la date de votre naissance, la date de votre mort, et c'est tout. Ça vous va, oui? Vous n'êtes pas impressionnable? Non, pas du tout. Alors, allons-y. Je vais vous dire ça. C'est mort, impatient. Voilà, mon mort. Vous êtes déjà mort. Non, c'est pas vrai. Mon Montmorency. Ah, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme Montmorency? Dans quelle famille? Quel est votre petit nom à vous? Anne. Anne? Anne comme un âne? Non, non, comme la reine. A, deux N. Ah, deux N. Si vous voulez. J'y suis alors, voilà. Anne de Montmorency. Vous êtes né en 1493, oui. C'est ça, hein? Oh, je suis extraordinaire, je vous le dis. Et vous mourrez en 1567. Qu'est-ce que vous dites de ça? À 74 ans? Oh, vous ferez un beau mort. C'est la plume. C'est pas mal. Mais après, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui m'arrive? Après votre mort? Ça, je ne peux pas vous le dire, quand on est mort, c'est fini. Non. Avant ma mort, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Attendez, je vais voir. Avant la mort, nommé maréchal de France en 1522, après la bataille de la Bicoque. Vous allez vous battre pour une bicoque et on vous fera maréchal de France pour ça. Plaignez-vous à mon moral. Maréchal de France. Ensuite. Ensuite, attendez. Connétable en 1537. Connétable? Après. Après, c'est fini, ça suffit. Connétable. Merci, Duc. De rien, mon Montmorency, de rien. À la revoyure. Allez, au suivant. Ici, par lui. Belote, rebelote et 10 de der. Le coup est régulier. N'oubliez pas, Duprat, que j'avais un 50 et la belote. Et que vous aviez une tierce, n'est-ce pas? C'est compté, sire. Nous marquons 192. Ça nous fait 1014. Nous avons gagné, sire. Et nous? Qu'est-ce que nous avons? 440. Mon cher connétable, vous n'avez pas réussi à franchir le Rubicon. Votre Bourbon n'est pas César. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le maréchal de Lautrec? Ça veut dire que tu manques de décision, monsieur le connétable de Bourbon. On démontrait suffisamment, un mariant, quand je suis venu à ta rescousse, alors que tu allais être coupé par les Suisses. Oui, mais tu en as manqué tout à l'heure, quand tu as coupé mon as de trèfle maître. Mais ton air, messieurs, vous êtes devant le roi. Pardon, asseyez-vous, messieurs, et laisse du prat. Monsieur Desmeldeux nous a dit que ce ne serait pas de la belote si on ne se disputait partout. Vous allez avoir votre revanche. Merci, mon cher duc. Si tous ces gens-là voulaient bien s'en aller, il y aurait beaucoup moins de monde. Ah. Bravo, la palisse, bravo. Oh, la palisse, c'est vous, monsieur de la palisse? C'est moi, monsieur. La vérité de la palisse. Figurez-vous qu'un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Oh. C'est très juste, monsieur. Vous avez dit là une vérité comme j'aime en entendre. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Bravo, monsieur, bravo. Mais voici bien du monde autour de nous. Si ces gens-là restent, ils ne vont pas s'en aller. Ah. 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 Circulez. Reculez. Ah, nous disions donc la palisse. La palisse. Comment écrivez-vous votre nom? Je ne l'écris pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas écrire. C'est une raison majeure. Nous allons nous débrouiller. Notez bien, monsieur Desmeldeux, que si je savais écrire, il n'y aurait aucune raison pour que je ne l'écrive pas. Ah. Ah. Voilà l'homme. Il est doué d'une puissance diabolique. Mais ce livre qu'il consulte contient tout le passé et tout l'avenir.
celui qu'il détient possède un pouvoir sans limite. Pendre. Vous êtes en France le représentant de la Sainte Inquisition. Votre rôle est de défendre l'Église gardienne de la foi. La science démoniaque de cet hérétique est un péril pour l'Église. Pendre. Il faut nous emparer de cet homme. Et de son livre, mon fils. Oui, surtout de son livre. Et alors c'est nous qui posséderons le pouvoir. C'est un adversaire redoutable, il est protégé par le roi. Comment pourrais-je l'amener à comparaître devant le tribunal de l'Inquisition? J'ai tout prévu. L'homme habite chez moi. Le tribunal pourra siéger dans un souterrain de ma maison, qui fut autrefois donjon féodal. Mon plan est fait. Merci, monsieur, merci. Si vous ne m'aviez appris toutes ces choses, je les ignorerais encore. Ah! Au suivant. Vous voulez connaître votre avenir? Mon avenir, je m'en fous. Alors celui de votre femme, de vos enfants? Vous prenez pour une gourde, je suis pas marié. Alors quoi? Dites-vous ça. Je voudrais connaître la recette de la mortadelle. La mortadelle? Le saucisson? J'en ai mangé pendant la guerre en Italie. Mais ces bougres de cochons de charcutiers français sont pas foutus de faire de la mortadelle. Alors comme il paraît que vous avez beaucoup voyagé, si vous pouviez me passer la recette... Écoutez, si Larousse la connaît, vous allez la savoir. Mortadelle. Mortadelle. M-O-R. Tadelle. Tadelle, mortadelle. La mortadelle, sorte de gros saucisson d'Italie, se fabrique avec du porc et du bœuf mélangé de lard. Ah, 110. 110? On dirait un juron méridional, mon cousin. Vous pouvez ravaler votre juron, sire, j'ai 4 valets. Oh, madame, vous en avez beaucoup plus. Il n'y a pas un gentilhomme en France qui ne soit votre valet. Oh, sire, comme vous êtes flatteur. Oui, ça va, je ne joue plus, j'ai tout perdu. Fort l'honneur, mon beau cousin. Oh, j'ai tout perdu, fort l'honneur, mais c'est charmant. C'est pas mal, n'est-ce pas? Oui, c'est... je trouve ça très bien. Je le replacerai. Alors, on ne joue plus? Ah non, madame, je n'ai plus un denier. Il faudrait que votre sorcier de frère me trouve le moyen de remplir ma bourse. Mais il en est bien capable. Appelons-le. C'est ça. Honorat. 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 Excusez-moi. Honorat. Honorat. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, monsieur mon ami, que faisais-tu donc? Du saucisson, sire. Comment? Du saucisson. Quel homme, il sait tout faire. Sais-tu aussi faire de l'or? Les coffres de mon beau cousin Henri sont complètement vides. Eh bien, un impôt nouveau, et les voilà pleins. Un impôt? Ah non, pas d'impôt. Le peuple a assez d'impôts à payer comme ça. Eh bien alors, pas d'impôt, mais que diriez-vous d'un joli petit emploi d'État? Un emploi d'État, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un emploi d'État? Vous non plus? Oh, vous êtes en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bien simple, n'est-ce pas? Le roi n'a plus d'argent, mais ses sujets ont quelques économies. Le roi emprunte les économies de ses sujets. Voilà. Mais quand on emprunte, il faut donner des garanties, des gages. Mais le roi donne en garantie sa parole, et comme gage, le trésor de l'État. Puisque le trésor est vide. Mais votre majesté, il ne l'est plus, puisque l'emprunt vient de le remplir. Par Saint-Georges, mais c'est la vérité. Mais le peuple n'apporte pas ses économies sans rien exiger en échange. Oh, évidemment, on lui paye l'intérêt de son argent. Mettons à 5% l'an. Mais avec quoi lui paye-t-on cet intérêt au peuple? Et avec l'argent qu'il vient d'apporter, voyons, sire. Et quand l'argent est dépensé? Mais c'est bien simple, on fait un nouvel emprunt. C'est magnifique. Oh, quel génie! Admirable. Oh, mais il y a une chose plus épatante encore que l'emprunt. Hein? C'est la loterie nationale. Vous demandez aux gens s'ils veulent donner 100 francs pour recevoir 3 millions. Alors, attendez. Attendez, attendez. Voulez-vous donner 100 francs pour recevoir 3 millions? Évidemment. Le barbu, il a dit, je comprends. Et tout le monde marche, c'est formidable. Mais voilà ce que c'est, la loterie nationale. 3 millions d'individus apportent chacun 100 francs. Et un seul emporte 3 millions. Bénéfice pour le roi, c'est-à-dire vous, 297 millions. C'est formidable. Oh, où allez-vous, mon beau cousin? On voit Yacon, il y a Londres. Dans 8 jours, il y aura la loterie nationale anglaise. Ah non, ah non, ah non, ah non. À Londres, en Angleterre, ce n'est pas la loterie nationale. C'est le Swiss Strike. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le journal? On est sûr que j'ai gagné au billard japonais. Donne-moi ces ciseaux. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai rendu la liberté. Oh, mon pâte dentifrice, je suis pas malheureux, c'est le dernier tube qui me restait. Mais vous êtes pire que des enfants de 2 ans, tous les deux. Oh, ma parole, mais il vient grincheux comme ferron. Ou la nourrice, ça suffit, hein? Ou bien vous faites éteindre le restant du tube. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, oui.
Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, oh, il m'a craché dans l'œil. C'est bien fait. Ça va pas toucher à mes affaires. Oh, quelle drôle d'histoire. C'est drôle, hein, ça? Ça sent bon. Je comprends. C'est l'eau de courrier à 30 balles le litron, alors? Mais attends, c'est pas tranquille, hein? Ça suffit. Oh, mais quoi? Non? Mesdames? Oh, comment va ce cher comte? Il va très mal, le comte. Oh, comme le dites-vous là? Mais le duc va très bien. Le duc? Mon cher beau-frère, je nage dans les honneurs. Le roi d'Angleterre m'a fait duc. Oh, mais mes compliments. Le pape voulait me faire prince, mais comme j'étais très pris, j'ai refusé. Dis-moi, je voudrais vous demander quelque chose, mais confidentiellement. Allez-y, allez-y. Est-ce que... Féron fait trop bon visage à Honorat, ça cache quelque chose. Ça cache un sale coup. Ouvrons l'œil. La date de la mort de Charles Quint? Oui. Si vous pouviez la prévoir, ainsi que ses projets politiques, ça aurait une importance capitale pour la France. Messieurs, avez-vous fini vos messes basses? Oui. Demain, je vous donnerai tous ces renseignements. Oh, vous ne pouvez pas me le dire tout de suite? Je n'ai pas mon Larousse sur moi. Ah, votre Larousse? Oui. Ah, c'est ainsi que vous nommez votre livre magique. Ce nom est quelque chose de démoniaque. Hein? Je sais pas, il respire l'enfer. Ma chère sœur. Et bien entendu, ce livre miraculeux, vous le cachez bien. Bien entendu. Honorat s'est aperçu que l'on fouillait dans sa chambre. D'ailleurs, c'est absolument inutile, le livre ne s'y trouve pas. Mais j'en suis ravi. Je ne tiens pas à ce qu'on vienne chez moi dépouiller mes os. Oh, beau-frère. Mais à propos, mon cher beau-frère, avez-vous vu les caves de ma maison? Non, mais Jules m'en a beaucoup parlé. Jules? Qui? Jules. Le fantôme. Ah, oui. Eh bien, mais il y a une ancienne crypte, ah, qui vaut la peine d'y descendre. Ah, il paraît qu'elles sont très curieuses. Ah, venez, venez, je vous emmène, je l'emmène. C'est très bien. Pardon. Bye bye, darling. Baissez bien la tête, mon cher beau-frère. N'ayez pas peur, je ne tiens pas à me faire raboter le crâne. D'ailleurs, nous y sommes. Avancez, mon cher Duc, n'ayez pas peur. Oh, j'ai pas peur, ouais. Marchez. Vous voyez comment j'ai peur, mon Sam? Oh, quel drôle de rôle avec ce machin pointu, là. Oh, quelle chose du remouleur, là. Tiens, une boîte aux lettres. La dernière levée est passée. Dites-moi, mon cher beau-frère, dans cette cave, vous n'auriez pas une vieille bouteille Châteauneuf du Pape 1929? Mais vous boirez, mon cher Duc. Vous boirez. On boira, mon cher beau-frère. On boira. On se dira au musée Gravin. Oh, pardon. Mais il est vrai, lui, hein. Ouh, le vilain. Tournez la tête, duc des Meldeuses. Bien entendu, beau-frère. Non. Hein? De l'autre côté. Là-bas. Ah, voilà. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Des juges. Mes juges? Quels juges? Mais je n'ai pas besoin de juges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse des juges? Ah oui, je vois, vous me jouez une sale blague, ou avec votre air hypocrite, mais vous ne l'emporterez pas en paradis. Je le dirai à François Ier, au chancelier Duprat et au connétable de Bourbon. Il y a des êtres plus puissants que le roi et ses ministres. Ah oui? Et qui? Dieu. Ah. Et ses serviteurs. Hein? Les serviteurs de Dieu, ça? Oh. Au secours! À l'aide! Alphédine! Roland! On m'a enfermé dans la cave! Ah, tu peux hurler, là! Féron, moi seul connais le chemin qui mène à cette crypte! Oui! Ah! Au secours! À l'aide! À moi! Vous approchez pas, hein? Vous approchez pas, hein? D'accord, vous approchez pas, hein? Ah, mon Dieu! Vous voulez vous placer, hein? Et moi qui craignais cet homme, moi qui hésitais à m'attaquer à lui. Je me serrais trop fort. Il n'a de pouvoir que quand il possède le livre. Oh, je dis à ma mère, vous faites mal. Oh, mes poignets. Oh, est-ce que vous sentez l'ail, vous, alors? Qu'est-ce que vous allez me faire, Ferrand? Vous questionnez, mon cher duc.
Vous avez une drôle de manière de questionner les gens, vous savez. Ne vous en plaignez pas, c'est la plus aimable. Mais si vous ne répondez point, nous en avons d'autres. Ah oui? Nous avons la question ordinaire et la question extraordinaire. Ainsi que les 32 façons de les appliquer l'une et l'autre. Par exemple, le cataplasme de poids enflammé sur l'estomac. Je préfère avec de la farine de lin. Le lavement à l'huile brûlante. Oh. L'introduction entre cuir et chair d'objets divers, tels que dés à jouer, fourchettes à deux dents, éperons à molette ou œufs durs. Pourriez pas m'ajouter un peu de mayonnaise? Si tu ne veux pas souffrir mille morts, parle, parle. Comment t'es-tu procuré cela, Rousse? Je l'ai acheté. Acheté à qui? Sur les quais. Oh, sur les quais, pardre, cet homme se joue de nous. Oh, poussez-vous à cause de l'ail. Je te ferai rentrer ton insolence dans la gorge. Écoute, j'ai connu un hérétique possédé du démon tel que toi. Il souriait tandis qu'on lui écrasait les membres dans des étaux de fer. Il riait pendant que le bourreau découpait des lanières dans la peau de son ventre et les tressait comme chevelure de femme. Drôle d'un défrisable. Mais cet homme parla lorsqu'on en vint au supplice de la chèvre. La chèvre? Chèvre. Bah. Chèvre. Ah. La chèvre, pourquoi faire la chèvre? Pour te faire parler. Je vais parler avec une chèvre? Non, Ferron. Ferron, écoute-moi, n'appelle pas le bourreau. Mais du sel, il faut que le bourreau. Écoute-moi, Ferron. La chèvre adore le sel. Du sel, pourquoi faire du sel? Non, Ferron, écoute-moi. Non, Ferron, écoute-moi, là. Bien prêt, bien prêt. Ah, et attache-la bien à la couronne. Elle va se régaler. Pousse-toi, hein. Une langue de chair sur la plante des pieds, c'est le supplice auquel l'homme le plus courageux ne peut pas résister plus de 5 minutes. Ah oui? Allez, vas-y, bourreau. Bourreau, bourreau. Ah, tu vas parler, Duc. Tu vas parler. Ah, bon, pousse-toi, puis ça va. Ah, tu parles. Ah, oh, oh, oh là là. Oh. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Allez, encore. C'est froid, c'est froid. Allez. C'est long, c'est long. Allez, encore, encore. Oh. Ah, ah, oh. La chèvre, je donne tous les soirs au chancelier Duprat pour qu'il le mette dans le coffre. Duprat! Non, mais tu nous prends pour des enfants. Hein? Crois-tu que nous allons écouter tes sonnettes? Voulez mon livre, mes bons messieurs. Allez donc le demander au premier ministre. Et s'il ne vous le donne pas, faites-lui lécher les pieds par une chèvre. C'est ça que tu voudrais que nous fassions, hein? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Bon, hein? Prépare-toi-nous. Nous allons lui en tenir 8 ou 10. Ça lui rafraîchira les idées, hein? Bon. Venez, pas. 8 ou 10 pannes d'eau? De l'eau pour... Oh, non, j'ai pas soif. Je n'ai pas soif. Et je ne veux pas boire. Et je ne boirai pas. Je ne boirai pas de l'eau parce que je n'aime pas. Si vous désirez du vin à la place, on peut s'arranger. Du vin? Qu'est-ce que vous avez, du Bordeaux ou du Bourgogne? Ah non, c'est un petit vin du pays, mais il est excellent. Ah, du Chinon. Chinon. Avez-vous de l'argent? Un peu, oui. Qu'est-ce qui coûte votre vin? Oh, dame, il est un peu cher. Ah oui? Oh oui, 3 sols la pinte. Comment? 3 sols la pinte. 3 sols la pinte? Écoutez, fouillez dans ma veste, vous trouverez 3 francs de monnaie. Vous avez qu'à les prendre. 3 francs? Je vais vous en donner 20 pintes. Oh là là, il peinte dur, lui. Il nous ment, pauvre. Il ne peut pas s'être séparé du livre qui fait sa puissance. Il faut qu'il parle. Soyez tranquille, il parlera. Soyez hein? Garçon de bourreau. Bon, allons, bon.
Vous allez être un peu ballonné. Bon. Bourreau, combien de pain? 10 pains. Allez, retire l'entonnoir. Allez, allez, monte-le. Pourquoi vous l'avez retiré? Je voulais encore un tout petit peu. Comment tu en veux encore, Duc? C'était l'effet de votre obligeance, Ferron. Je voudrais encore un tout petit peu. Non! Parleras-tu maintenant? Si on me détache, je parlerai. Si on me détache pas, je ne parlerai pas. Voilà. Détachez-le. Détachez-le. Les gentilhommes, les gens bien élevés, les ducs, si c'est attaché, ça ne parle pas. Ferron. Ferron. Ferron, tu n'es pas mignon, tu me repousses. Où dis-tu ça? On les a déguisés à l'été noir. Il est fou. La torture lui a ôté la raison. Eh bien, la torture la lui rendra. On ne l'a pas fait à moi, ça. Bourreau. Et garçon de bourreau. Allez. Allez, levez, levez. Oh. Ah, tu as voulu connaître le carcan à pointe. Tu vas y goûter. Oui. Des chaînes. Des chaînes, alors. Des chaînes, des chaînes. C'est Ferron, mon frère. Je plaisante, mon député, moi. Bourreau, prépare tes fers. Prépare, bourreau, bourreau. Tu sais, je te fais retirer la cervelle dans le crâne. Mon beurre noir. Tu parleras. Bourreau. Ah. Oh, Jules. 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 Traitez mes trous, Satanas. Il n'y a pas plus Satanas que de beurre au fond de l'assiette. C'est mon ami Jules, le fantôme. Et bonjour, Ferron. Et dis donc l'obligeance de détacher mon ami Honorat. Ce brave vieil ami Jules, vous arrivez à temps. Mais je t'avais bien dit que je serais là si tu avais besoin de moi. Mais j'étais là depuis le début de la séance. Ah, oui, j'avais l'œil sur notre ami Ferron. Oh, Ferron, t'en prends le sagouin. Oh, il me la paiera, allez, on s'en va. Oui, oui, Honorat. Ah, bon, bon. Passez les frusques, monsieur. Je vais tenir nous la clé du caveau, mon ami. Ah oui, oui, oui. Alors la clé. Oh, non, non. Oh, laisse-le, Honorat. Laisse-le. Durant 15 jours, toutes les nuits, j'irai lui tirer les orteils. Ça lui fera les pieds. Et dis-moi. Hein? Oh, Jules, mais seulement le passage n'est pas éclairé, puis j'ai pas ma lampe. Ah, mais moi, je l'ai. J'ai été la chercher dans ta balle d'âme. Allez, allons-y. Oh, pour quelle journée. Ah, je m'en souviendrai. N'est-ce pas, Jules? Oui. Tu viens t'asseoir? Non. Non, 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 merci. Il faut que j'aille retrouver Gertrude. Ah, alors ça va maintenant avec ta femme, oui? Ça va, oui, à peu près. Ah. Tu comprends, quand on est obligé de coucher ensemble dans le même tombeau pour l'éternité, faut bien se faire quelques petites concessions. Des concessions à perpétuité. Eh ben, je te laisse, hein. Au revoir, mon ami. Au revoir. Dis donc. Oui. Je passe à travers le mur. C'est plus vite fait. Oui, c'est ça, oui. Envolé. Oh, sacré Jules. Dis Jules. Le bonjour à Gertrude. Alors, cette visite à la crypte amusante? Amusante? Tu en as drôle, toi. Si tu savais ce qui m'est arrivé. Assieds-toi. D'abord, on m'a léché les doigts de pied. Ensuite, j'ai bu un boc. On m'a fait des tas de choses.
C'était très bien. Oui, eh bien, tu me raconteras ça plus tard. Oui. Moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant à te dire. Oh, ça. Je ne suis plus avec François. Qu'est-ce que tu me dis? Tu n'es plus avec François, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a fait le méchant, François? Non, non, le pauvre agneau. Croyez. C'est beaucoup plus épouvantable que ça. Ah. Il ne m'amuse plus. Il faut dire qu'il n'est pas très comique avec sa barbe. Voilà 8 mois que nous nous adorons. Eh bien, c'est plus drôle. Eh oui. Faire pendant 8 mois, tous les jours, la même chose avec la même personne, c'est plus un plaisir, c'est une corvée. Avec l'autre ex, ça a duré 4 mois. Avec Montmorency, ça a duré 6 semaines. Avec Bourbon, un petit peu moins. Et 8 jours seulement avec Ferrand, mon mari. C'est tout? Honorin. Honorin. Oh, oh. Est-ce que ce n'est pas folie d'être embrassée toujours par les mêmes lèvres c'est... et étreint par les mêmes bras? C'est... Est-ce que ta tendresse n'appelle pas depuis longtemps ma tendresse? Mais oui, Ferron. Oh, toi, toi, je sens que je vais t'aimer. Moi? M'aimer? Oh, combien? 15 jours. Oh. Aha! Baiser fraternel, hein? Ah, cette fois, je te tiens. Et bien, par injure à ton serment, infidèle à ton roi, ton compte est bon. Garde! Ferrand, qu'est-ce que tu vas faire? Emmener cet homme! Et toi, si tu l'oses, va conter au roi de France le sort de ton dernier amant. Allez, poussez pour eux. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez vous blesser? Vous voulez vous blesser? Gilles, avant tout! Ferrand! Tu vois, Gilles, quand il s'est réveillé de son sommeil léthargique, je n'étais pas là. Il a été pris d'une sorte d'accès somnambulique. On m'a prévenu et je m'en suis douté que je le retrouverais ici. Vous pouvez me le confier. Bon, bon. Mais je vous conseille de ne plus nous laisser traîner de somnambule sur la voie publique. Merci, monsieur, merci. Je vais l'emmener en taxi. Oh, Rolande, vous, toi, viens dans les bras. Hé là, hé là. Oh, mais c'est plus du rêve, c'est voilà. Du délire. Non, non, reviens à toi, Honorin. Je préfère revenir à elle. Ah oui, oh, quelle vie merveilleuse je viens de vivre. Et tu n'as été absent que pendant quelques heures. Honorin, Honorin, Honorin. Ferron. Mais tu ne grouilles pas, tête. Patate, moi? Le duc des Meldeuses. Les ordres de l'ouverture. Monsieur dort. Et ce soir, c'est le public qui dormira. Six heures, madame, c'est la représentation. Et les décors sont pas en place. Oh, laisse notre pauvre idiot tranquille, papa, alors. Si vous le bousculez comme ça, il ne pourra pas chanter ce soir. Chante. Et veillez-moi, alors. Je viens de chez le dentiste. Je suis guéri. Il est guéri? Alors je ne chante plus? Que la madone soit bénie. Ah, Dieu merci, non. Ah, mon Dieu. Arsène est sauvé. Alors je ne chante plus, c'est fini? Pauvre qui? Oh, ah, c'est fini. Bon. Vite, je vous en prie, je veux retourner là-bas. Où ça, on aura? Chez François 1er. Je ne veux pas rester ici. Je veux retourner chez François. Vite, vite, monsieur Calcuero, je vous en supplie. Chez François. Bon, assieds-toi. Merci. Là, je connais le truc. Dors. Dors. Rêve.